Bonjour, ici Hélène Rondeau. Dans mon garde-manger aujourd'hui, un produit de saison qu'on attend avec tellement d'impatience, qui annonce le printemps et qui est en saison en ce moment, c'est notre beau crabe des neiges. J'arrive de la poissonnerie, je suis allée m'acheter deux sections, ça m'a coûté 20 $ pour deux sections, donc 10 $ par personne. Bon, chez nous, on accompagne ça avec un petit peu de riz, avec une belle salade ou des asperges, de sorte qu'une section comme ceci, qu'on appelle parfois une main de crabe, hein, c'est assez pour notre bonheur. Bon, les plus gourmands en mangeront peut-être deux, libre à vous. Comment on mange ça du crabe des neiges? Alors, moi, j'achète le crabe qui est déjà cuit en section chez le poissonnier ou à l'épicerie. Puis ça peut être vraiment intimidant quand on n'a pas l'habitude. Première chose à faire, on détache la pince et les pattes du corps pour bien les séparer. Et on s'entend, le plaisir du crabe des neiges, ce sont ces longues sections ici de pattes qui renferment des longs filaments. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque pince, ensuite, on la détache à la jointure dans le sens inverse. Donc, ça s'en vient par ici. On va aller, nous, dans l'autre sens. On détache. Jusque-là, pas besoin d'outils. Vous allez voir qu'il y a un peu de cartilage comme ça à l'intérieur. Ça, c'est pas ce qu'on mange. Ce qu'on mange, c'est dans ça ici. Alors, je fais ça pour chacune. Vous comprenez le principe? Maintenant, quand on arrive dans la belle section, vous avez plusieurs choix. C'est assez souple au centre. En fait, beaucoup plus souple que manger du homard. Alors, vous pouvez tout simplement couper la pâte en deux, en fait. Alors, cette section ici est vide et toute la chair se trouve dans celle-ci. Et utiliser une petite fourchette. Ça se vend vraiment pas cher un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de gens qui savent qu'il y a les petites dents de la fourchette à un bout, mais l'autre bout, en fait, ça sert un peu de spatule. Donc, c'est un instrument qu'on utilise des deux côtés. Là, je vais prendre, justement, parce que je ne veux pas briser la chair, je ne veux pas prendre ici les petites dents. Je vais y aller avec plutôt la section la plus large. Et regardez, je vais sortir comme ceci des beaux morceaux de crabe. C'est ce qu'on cherche. J'en ai un autre au fond. Je vais procéder de la même façon. Voilà mes belles sections sur ma petite cuillère. Un truc que le chef Daniel Vézina m'avait déjà donné, quand on n'a pas nécessairement d'outils pour ouvrir le crabe, on peut le faire tout simplement en se fabriquant nous-mêmes notre propre couteau. Comment? En allant chercher dans la pince, on détache la section ici qui a un autre cartilage, mais c'est comme des dents. Alors, on va s'en servir comme outil. On pourrait prendre, par exemple, la section ici et littéralement, doucement, percer la carapace et ouvrir doucement de chaque côté notre belle pince, de sorte qu'en écartant, on va aller chercher la belle chair de crabe que voilà. Merci, Daniel. Maintenant, pour la pince, justement, on va avoir besoin quand même d'un outil ici parce que c'est vraiment trop difficile à ouvrir. Vous pourriez prendre le dos de, pas votre meilleur couteau, hein, un couteau, vous pourriez donner un coup comme ça pour casser ou prendre, si vous avez la petite pince à homard ou même un casse-noix, pour venir casser. Et là, voyez-vous, le crabe va sortir tout seul, presque, quand il est cuit là, à la perfection, comme c'est le cas en ce moment. Je vais venir sortir la pince pour pouvoir la déguster. Avec quoi je mange ça du crabe? Pour être bien honnête avec vous, avec rien. Parce que c'est tellement bon, c'est légèrement sucré, c'est iodé, ça goûte la mer, bien sûr. Et puis moi, je mange ça avec rien. Vous pourriez faire un petit beurre, un peu de citron, ça, libre à vous, la sauce qui vous plaît, mais moi, je pense que tout nu, c'est là où il me séduit le plus. Maintenant, la base
du crabe, il y a aussi beaucoup de chair à l'intérieur. Comment on fait? Alors, vous allez la mettre debout, à la verticale, du côté, si vous voulez, des doigts, là. OK? Et avec votre couteau, on vient sectionner de haut en bas cette partie-là pour l'ouvrir en deux. Et en ouvrant, elle s'est cassée un petit peu, là, mais en ouvrant, toujours avec le bout de notre fourchette, on va pouvoir venir, dans le fond, dégager les morceaux de chair qui se trouvent à l'intérieur, entre les cartilages. Et c'est ça qu'on va assembler pour se faire une belle bouchée. C'est quelque chose qui demande un petit peu de patience, mais je vous jure que vous allez être récompensé et que vous allez vous régaler. Donc, la chair ici, moi, ce que je fais, c'est que je la sors. Et quand j'en ai suffisamment, bon, ben, sans les cartilages, ça me fait une belle bouchée que je vais pouvoir mettre dans mon assiette comme ceci. Donc, il me reste à continuer, mais c'est juste pour vous montrer que, avec un peu de patience, idéalement avec un bon verre de vin blanc ou de ce que vous aimez, ben, vous allez pouvoir vous régaler comme moi. Alors, bonne saison du crabe des neiges, profitez-en parce que ça ne dure vraiment pas longtemps. Et merci à tous les pêcheurs de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de sortir en pleine mer, en pleine nuit, pour nous. Santé!